Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Alors aujourd'hui, j'ai pas attendu, j'ai attaqué donc mon nouveau DP, celui qui remplace donc Fifi. Voilà, j'ai décidé de commencer. Alors, j'avais déjà préparé, je l'ai commencé aujourd'hui. Bon, j'ai juste fait un carré de 10 sur 10 aujourd'hui. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, donc c'est le kit que j'avais reçu de la boutique The Diamond Painting Factory. Voilà. C'est la boutique où il y a de très beaux kits. De fait par des créateurs, voilà, des dessinateurs, voilà. Donc c'est des kits qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et là en ce moment ils ont remis justement de nouvelles collections, de nouveaux créateurs. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la boutique. Donc, je vous invite à aller voir parce que il commence à avoir de nouveaux créateurs et ça commence à être vraiment pas mal. Donc, moi, le mien... Alors, j'ai pris mon petit papier pour pas oublier. Et oui, hein, la vieillesse arrive, Alzheimer arrive. Non, je rigole pas avec ça, mais bon... J'ai une mémoire de poisson rouge, donc... Alors moi, c'est la collection Tamara Laporte. Et le kit, c'est Light of the Moon. Voilà, donc c'est un kit qui fait 60 cm sur 80. Donc là, je vais avoir du boulot. Ce sont des perles carrées. Donc c'est pour ça que je dis que je vais avoir beaucoup de boulot, parce que perles carrées, c'est plus long à faire que les rondes. Mais bon, on verra, hein. De toute façon, ça prendra le temps qu'il faudra pour le faire. De toute façon, bon, comme je fais d'habitude, hein, j'en ferai hors caméra, j'en ferai à la caméra, voilà. Je ferai des avances comme ça pour que vous puissiez voir au fur et à mesure. Alors, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la boutique, le lien également donc pour retrouver le kit. Je vais vous mettre également un code promo qui vous permet d'avoir 10% de réduction. Voilà. Alors, je sais que bon, certaines avaient dit oh, c'est cher. Bon, c'est des kits qui sont un peu plus chers qu'ailleurs, mais bon, la qualité y est. Là, la preuve, c'est que je viens de le faire aujourd'hui et je l'ai vu. La qualité des perles y est. Elles sont bien alignées. J'ai pas de déchets pour l'instant. Donc, je touche du singe. la qualité de la toile y est également. Et, comme j'ai dit, ce sont des dessins de créateurs. Voilà. C'est pas les dessins qu'ils ont pris sur internet et puis vas-y, je te passe ça à la machine. Voilà, non, ce sont des dessins de créateurs qui ont été dessinés par des artistes. Donc c'est normal que ce soit un peu plus cher qu'ailleurs. Eux, ils rémunèrent leurs artistes. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est comme je viens de vous dire, c'est pas des trucs qui ont été piqués sur internet et puis vas-y, je te passe ça dans l'imprimante ou dans la machine à fabriquer et puis voilà. Donc là, non, ce sont vraiment les dessins d'artistes. D'ailleurs, sur chaque page d'artiste, vous avez également les liens où vous pouvez retrouver ces artistes, leur page personnelle, si vous voulez aller voir leur travail. Donc leur page Facebook ou leur blog ou leur page Instagram, suivant les artistes, vous avez tous les liens pour les retrouver également sur internet. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher,
Mais je vous dis, la qualité y est. Et ce sont des kits que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Voilà. Je parle des kits des créateurs, hein, des artistes. Là, ce sont des ceux que vous ne verrez que dans cette boutique. Et moi, je les trouve vraiment très beaux. Là, surtout ceux de Tamara Laporte. Il y a aussi, bon, j'ai plus les noms en tête, j'aurais dû me les noter, mais il y a aussi une artiste qui fait de l'aquarelle. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Chacun a son domaine de compétences dans son art et sont vraiment très très beaux. Voilà. Donc je vous invite à aller voir et puis si vous voulez vous faire un petit cadeau pour Noël, ben, profitez-en. En plus, là en ce moment, il y a le Black Friday chez eux. Donc profitez-en. Ça vous fera un petit cadeau de Noël. Demandez, dites à votre mari, chérie, j'ai vu. Tu veux me l'acheter pour mon Noël? Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser regarder. Bon, moi, en tout cas, mon cadeau d'anniversaire est définitivement perdu, hein, les filles. Voilà. Donc c'était Amazon. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Mais ils ont définitivement perdu mon cadeau, mon colis. Donc, comme je vous dis, c'était mon cadeau d'anniversaire que mon mari m'avait fait. Et bah, il est définitivement perdu. Et maintenant, on galère pour avoir le remboursement. Parce que ce n'est pas un petit remboursement. En plus, c'est quand même quelque chose de conséquent. Donc là, on galère maintenant pour qu'il nous rembourse. Donc voilà, je... Youpi, youpi, youpi. Donc, pour une fois, c'est vrai, bon, on se fait toujours des cadeaux, bon, à petit prix, tout ça, mais là, bon, mon mari m'a dit, il m'avait dit, bon, tu m'embêtes avec ce cadeau, allez, bon, on va le prendre, et oui, ben, on l'a commandé, mais bon. Bon, il y a la femme d'un livreur doit bien s'en servir, certainement, hein. Voilà, il doit bien être chez un livreur. Mais bon, oui, parce que comme ils n'ont aucune trace, donc ils m'ont dit, c'est parti avec un livreur de chez Amazon, mais après ça a changé de livreur, mais ce n'est plus chez un livreur d'Amazon. Déjà là, c'est louche. Et donc voilà, définitivement perdu. Eux disent perdu, hein. Mais... In the pocket, le livreur, hein. Je suis sûre. Mais bon. J'espère qu'il il va tomber en panne tout le temps. Comme ça, au moins, il ne pourra pas s'en servir. Voilà. Mais bon, j'ai les boules parce que du coup, j'ai pris mon cadeau d'anniversaire. Bon, maintenant, il faut que j'attende qu'il nous rembourse pour que je puisse le recommander, mais plus chez Amazon. Hein. Je ne vais plus le recommander chez Amazon, je vais le recommander ailleurs. Voilà. C'est ça qui est chiant, c'est qu'en ce moment, on ne peut faire que par commande. On ne peut pas aller chercher directement au magasin. Mais on va voir. Macron va rouvrir les magasins, peut-être. Donc, on verra. Bon, allez. J'arrête de parler de mes petits malheurs. Je vais vous laisser visionner donc cette première partie de mon nouveau DP. Donc avec la collection de Tamara Laporte. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et que la suite des vidéos de ce DP vous plairont également. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus. Voilà. Même si vous mettez un pouce comme ça, c'est pas grave. Comme j'ai déjà dit, ça fait remonter quand même la chaîne. Et nous, on se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et maintenant,
Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye, à bientôt. Thank you.
Thank you.